et à toutes. Bienvenue sur ma chaîne, car je sais que vous aimez le recyclage. D'ailleurs, nous allons de suite poursuivre pour une nouvelle création. On y va? Comment customiser vos tongs avec une chute de tissu? Coupez deux bandes de tissu. La largeur de la bande, 7 cm. La longueur sera la longueur de cette partie multipliée par 2. Endroits seront droits, épinglez la bande, piquez, commencez par un point d'arrêt, on pique tout le long et on finalise par un autre point d'arrêt. Et vous faites la même chose pour la deuxième bande. Grâce à une épingle à nourrice, épinglez l'extrémité et faites passer à l'intérieur. Repassez la bande avec un fer bien chaud en s'assurant que vous avez bien mis la couture au milieu. Pour fixer la bande, vous allez avoir besoin de votre fer à colle. Passez la bande à l'intérieur en mettant la couture apparente. Déterminez le milieu et tout de suite, faire pivoter votre bande. Maintenir par une épingle et entourer la bande autour de celle-ci. Serrez bien fort. Faites arriver le bord en face de la couture. Posez une pointe de colle et faites chevaucher toujours en serrant autour. On repart, on serre à nouveau. Pour avoir quelque chose de régulier, remettre ce bord en face de la couture. Un point de colle. On repositionne en serrant bien fort afin de fixer la colle. Et on répète l'opération. Et vous allez continuer jusqu'à la fin. Et ça vous donnera quelque chose de très régulier. Arrivé au bout, vous allez couper l'excédent en laissant 3 cm. Entrez 1 cm à l'intérieur. Collez l'extrémité. Et finalisez en mettant une quantité suffisante de colle. Afin d'avoir quelque chose de bien fini. Et vous allez faire la même chose pour ce côté. Voilà en ce qui concerne vos tongs. Rajoutez une perle ou ce qui vous plaira. Moi, je vais rajouter des pièces déjà toutes faites. Je vais coller et positionner au milieu. Vous pouvez aussi mettre des fleurs, un bijou cassé, par exemple des boucles d'oreilles. Vous pouvez opter pour quelque chose de très simple ou un petit peu plus chargé. Cela dépendra du goût de chacun. Voilà une façon rapide et facile de customiser cet angle. Et une façon vraiment peu onéreuse
de faire assortir vos tongs à vos robes de plage. Vous avez aimé ce tutoriel? Alors partagez-le. Et voilà, vous avez vu, c'était facile, rapide et avec trois fois rien. En attendant notre prochain rendez-vous, n'oubliez pas un petit like, un commentaire et surtout, abonnez-vous!